Hey, salut tout le monde, c'est One Piece et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouverture de cartes Pokémon. Et donc, la dernière fois que je vous ai dit, je vous réserve une surprise un petit peu spéciale. Et oui, donc j'ai acheté un nouveau display. Comme vous pouvez le voir, un display platine vainqueur suprême. C'est écrit derrière, là, on ne voit pas trop, mais c'est écrit. Ce qu'il y a, c'est que je l'avais acheté sur Amazon, il me semble, pour la modique somme de 200 boules. Bref, ça coûte extrêmement cher, hein, c'est deux fois le prix de la display XY6. J'étais un peu déçu à la réception d'ailleurs, hein, parce que, comme vous pouvez le remarquer, elle est un peu défoncée de partout. Regarde-moi ça, là. Elle est complètement défoncée. Pourtant, Platine, Vainqueur Suprême, c'est pas si vieux que ça. Il y a des displays. Du set de base édition 1 de Pokémon JCC qui sont en meilleur état que ça, quoi, c'est un truc de malade. Enfin, bref, donc je vais la déceler devant vous si j'y arrive. Voilà, donc elle a été bel et bien scellée hein, avec du truc où il y a écrit Pokémon dessus, donc ça peut pas être un fake et rien avoir dedans. Là, voilà, et voilà. Donc oui, je l'ai dit, je l'ai acheté sur Amazon. C'est tout ce que j'avais à dire. Oh putain, regarde-moi ça, comment elle est défoncée cette boîte. Lia, elle n'a pas pris soin du tout. D'ailleurs, je me suis pas gêné pour lui dire après. Alors, comme pour le display XY6. Je vais prendre la moitié des boosters, donc ça fait, il y en a 36, ça fait 18 pour l'ouverture. Sauf que comme j'ai envie aussi d'en garder 4, comme j'avais fait mes displays, je vais en prendre plutôt que 16. Comme ça en fera 16 et 16. Ça sera plus égalitaire. Alors, mais c'était à lapis. Attendez, combien d'illustrations? Pourtant, il y a bien 4 illustrations. Oui. Alors, attendez, j'essaie de prendre à chaque fois. Ah d'accord, attendez. Avec Wadza, après c'est le seul, après c'est Dragofeu. Ok, donc je dois y prendre rangée par rangée, c'est pas en quinconce. Voilà. Comme ça, pour la prochaine fois, ça sera tout bon. Allez, donc j'ai les 16 boosters en ma possession, ça en fait quand même pas mal. Je vais essayer de trier un peu. C'est parti, tag, je fais ça devant vous, je suis un tag. Tug life. C'est pas facile. Ok, donc il y a au total, c'est ça, 4 illustrations de chaque. Alors, je vais trier par ordre de préférence. Donc d'abord Karchakrok parce que. Ah non, mais lui, il y en a 5, comment ça se fait? Dracaufeu, il y en a que 3. Ouais, il y en a 4. Absol. Absol, il y en a 4. Attendez, 4, 4, 4. J'en ai un de trop. 4 fois 4, 16. On est pas con à ce point. C'est ça. Donc, celui que j'ai le moins, un Karchakrok. Ensuite, c'est Dracaufeu. Ensuite, Absol. Et ensuite, Rayquaza, bien sûr, au dernier. Vous le savez, au bout d'un moment, c'est. Mon illustration préférée. D'ailleurs, ça doit être ma série préférée. Hein, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris un display de ça et pas d'autre chose. Est-ce que j'ai déjà toutes les illustrations de booster? Je ne sais plus. Donc, je vais essayer d'en conserver au moins une de chaque. Si je les ai toutes, ah, mais oui, j'avais défoncé le Dracaufeu. Je les ai toutes, mais j'avais défoncé le Dracaufeu. Enfin, bref, je vais quand même essayer de bien en ouvrir une de chaque. Là, voilà. On les garde par ici. Voilà. C'est 1, 2, 3, 1, 2. Il n'y a pas de code online. Oh, les cartes ont. Les cartes ont. Elles sont bizarres. Elles font pas comme les celles rougissantes. Ça sent qu'elles sont un peu plus vieilles. Oula, oula, c'est bon cette narek. Allez, on commence par un petit écrapince. Un petit gobou. J'adore ces illustrations, elles sont trop jolies. Petit gobou, un Kalinos. Un Roselia, un Balbuto, un Ninjask, un Hippopotas,
La contribution de Connard, Conner, pardon, Ruderad en reverse, c'est une rare, c'est ça? Alors attendez, je m'approche un peu, je mets la mise au point, non, non, sens, voilà. Ok, non, ça c'est une peu commune. Donc on voit que le sigle de l'extension est là, les trucs un peu communs et tout, et l'illustrateur ici. Voilà. J'aime beaucoup d'ailleurs ces illustrations dans la 4e G parce qu'elles sont beaucoup plus jolies, je trouve. Et on finit par un. Pff, ça, c'est illustration moche par excellence, vous voyez. Caméra, putain, rare. Allez, on continue. Donc maintenant, je peux lui défoncer ses conducteurs parce que j'ai gardé une illustration. Le 1, 2, 3, 1, 2. Et c'est parti avec un Apitrini. Oh, il est mignon. Le petit Apitrini. Le Krixik. Le Barpo. Le Kenotaur. Férosinge. J'aime bien cette illustration aussi. Téléporteur nocturne. D'accord. Roserade. D'accord, c'est trop normal. Milobélus. Ah, je l'avais déjà eu cette carte, mais elle est vraiment très très jolie. D'ailleurs, c'est. C'est une rare, non? Non, c'est une peu commune. Ok. Enfin bref. Ouf. C'est quoi? C'est une. Merde, putain. Ouais, c'est une rare, ouais, c'est une rare. J'ai cru que ça allait être une low reverse, mais non, c'est juste une rare. Sulfura en rare. Bon, bah pourquoi pas, c'est assez stylé. Et. Papillusion. Ah, c'est une carte qui appartient. Enfin, c'est un Pokémon qui appartient à un dresseur, ça. Ok. Je trouve très joli aussi. Il y a beaucoup de Pokémon de la première G dans cette génération. Dans cette génération, dans cette série, pardon. C'est pour ça que j'aime bien aussi. Parce que j'aime bien la première G, quoi. Comme tout le monde. J'ai envie de dire. Première G, Master Ace, voilà, quoi. Allez! Le mec il arrive pas à ouvrir son booster, voilà. Alors. 1, 2, 3, 1, 2. Je ne sais pas par contre les quotas des displays. Combien il y a d'ultra rares dans une display. Ça doit être beaucoup moins que XY. Alors attendez, bien sûr. Ça va pas du tout, là j'ai tout modifié. Un Ning. On dirait l'immonde, il est tout plat. Ah, c'est moche. Laporeille. Ok. Poissirène. Miaouss. Magnéti. Je prends le temps d'améliorer les cartes. Bon, Milobélus, on l'a déjà vu. Tour de combat. Reliquante. Lamantine en reverse. Très jolie carte. Et ouh, une holographique. Calycab Lolo. Il me semble que. À moins que ce soit pas dans cette extension. Il me semble qu'il est en level X. Il me semble l'avoir eu en level X, moi, non? Je raconte toute la merde. Allez, mais c'est quoi ces boosters là? Ils sont bien plus résistants que les X et Y. Hein. On y sent, on connaît la différence. Allez. La carte est lourde? Non, c'est mon imagination. Pachirisu. Férosinge de duo. Pikachu. Ah. Ça fait plaisir un petit Pikachu. Je la vois qui part en couille. Voilà. Magikarp. Carmash. Chapignon. Motisma. Mime Junior. J'aime pas du tout la carte. Regardez-moi cette tête de derp. C'est horrible. C'est horrible. Et Wellord. Ah. Les Wallords sont des cartes qui valent assez cher en général. Parce qu'elles ont beaucoup de PV en fait. Voilà, il y a 180 PV les gars. Et c'est souvent des cartes rares en plus. Donc voilà, donc, ça fait plaisir d'avoir un Wallord. C'est pour ça que j'ai fait Wallord. Oh, tu es là Wallord. Je la vois qui part mais totalement en couille. C'est un truc de malade. J'ai déjà fait l'ouverture de la seconde partie du display. XY6, juste avant là, du coup, j'ai la voix qui commence à rouiller un petit peu. Mais on va faire avec, et c'est reparti. On est avec les boosters Dracaufeu.
Sneagol, Mustaboué, Cradopo, Étourmi. On dirait qu'il est. J'avais déjà dit. On dirait qu'il est shiny lui, parce qu'il est marron. Lapreille. Lockpin. Lockpin. Je sais plus comment il se prononce lui. Tour de combat. Ninjask. Elixprint Holo. D'accord, il est en image de synthèse et il appartient donc. Oh putain, j'ai oublié son nom. C'est le chef de la Team Galaxy, mais j'ai oublié son nom. Elion. Helios. Ou un truc comme ça, bref. Corboss. En rare? Oui, en rare. J'arrive pas à voir en fait. Ah oui, c'est une rare. J'arrive pas à voir sur la cam en fait, c'est pour ça. Allez. Ces saloperies de booster là, qui s'ouvrent pas. Oh bah putain. Vous avez vu un petit coup de pire parce que je tourne là, il y a un bigou orage qui passe au-dessus, c'est Nawak. Nawak le total. Terral. Très jolie carte. Mime Junior, ta gueule, toi. Aragdo. Dodio. Dodio. Non, j'ai cru que c'était un. Alors, bref, Pachirisu. Hippopotas. La contribution de Connor. Welmer. Chuchmur en pâte à modeler. Alors, les cartes pâte à modeler, bon, c'est pas du tout mon truc. Oh, je me vois dedans. Et. Ouf. Une carte niveau X, un Nettoraptor niveau X. Oh putain, elle est magnifique en blanche. Je vais la voir sans la cam. Attendez, on dit limite il est shiny quoi. Il est un peu verdâtre. Ouais, il fait bizarre. Ah ouais, j'adore cette carte. Elle brille partout et tout. Ah mais en plus, c'est la 147 sur. 147, c'est-à-dire que j'ai chopé la dernière carte de l'extinction. Alors je vais sortir tout de suite un petit protège-carte. Comme d'habitude, je le fais avec toutes les ultra rares. En plus, une niveau X, quoi, les niveaux X sont assez rares et assez chiantes à choper. Et tout Raptor. Donc j'ai bien ce Pokémon, ça tombe bien. C'est pas comme si j'étais tombé sur Mime Junior niveau X. Allez. Après j'aime quand même assez beaucoup de Pokémon. À part dans la 5G où il y a peut-être plus de Pokémon que je déteste que j'aime. En général j'aime assez bien tous les Pokémon. Aragdo, Lapreille, Kaninos, Otaria, Pijako. Magnifique carte. J'aime bien ce Pokémon Pijako aussi. Pijako. Hippopotas. Cornèbre. Étourvol, on aura toute la famille. Mustéflotte en reverse. Et Charmina. Très jolie carte. Bon, apparemment, ça a l'air d'être des quotas assez bas. Hein. Il n'y a pas trop d'holo, il n'y a pas trop d'ultra. Pour l'instant, on a une de chaque. D'ailleurs, j'ai pas mis l'holo de côté. Tant pis, elle sera pas là au récap. L'enculé. Parce que là, pour aller chercher en dessous. Attendez, j'ai eu une holo. Non, attendez, c'était le vert. Ah, je sais plus si c'est le vert précédent ou celle-là. Rekayou, pardon. Krixek, Cradopo, Chuchmur, Musteboué, Togekiss, c'est. Ah oui, le Togekiss de Cynthia. Okay. Elle, je me souviens de son nom, c'est la maître de la ligue. Flobio, Ratatak, encore de la Team Galaxy. Rhinastock en reverse, très jolie carte, et Absololo. Non, ils ont osé mettre Absololo aussi. Ah là 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 là. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on dit Absololo, ça fait lololo. C'est pour ça que je dis ça. Bon, lui sera récap. Hein. Allez, on passe là-haut, justement, au Absol en booster. À moins qu'on était déjà avant. Non, non, on passe maintenant au Absol. Il nous en reste donc pile la moitié. Putain. C'est impossible à ouvrir. Ce putain de booster. Ah, je suis content d'avoir eu Absol quand même parce que c'est un bon Pokémon. Hop là. Et ça part avec un Roselia. Un Ciribou. Un Meditica. Oh, on avait pas eu toutes ces cartes là, Gricknot. Bulbizarre, bon j'avais déjà eu moi dans une autre ouverture. Les conseils de Cynthia.
Mascadra, on obtient plein de cartes qu'on n'avait pas. Bon, lui, on l'avait déjà eu. Le Milobélus de Cynthia en reverse. Ok, donc il y a deux Milobélus et ils sont tous les deux très stylés et jolis. Et c'est les rocs en rare. Voilà. Rien de bien particulier dans ce booster, à part des cartes qui complètent ma collection. 1, 2, 3, 1, 2. Donc il n'y a pas de code online, hein, bien sûr, dans ces vieux boosters. Ça arrivait à la 5G, je crois. Paras. Tiplouf. Bon, encore des Pokémon qu'on n'avait pas. Barpo. Sabelette. Lexi. Cherche BS, Pijako de la Team Galaxy, Yanma, l'initiative d'Helio en reverse et Munja en rare. Et ben que des cartes qu'on n'avait pas eues dans cette ouverture. Magnifique. Magnifique. Plus ça ira tout compléter ma collection. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, je mets des coups dans le micro. Wesh, wesh. Ça part avec un Nosferatu qu'on n'avait pas non plus. Tortipousse. Seribou, Chuchmur, Racaillou, Herbizarre, Castorno, Arcanin en reverse. Je sais pas si c'est une holo ou une rare. Je sais pas du tout. C'est quoi ce fail? C'est quoi ce fail? Ok. Spiritomb de Cynthia. Je crois qu'il y a un autre Spiritomb dans cette. Je crois qu'il y a dans celui-là. Cette extension. Non, j'ai un doute. Oh, je sais plus. Et qui est. Bon, enfin bref, il est stylé, Spiritomb, quoi, je veux dire. Et. Le Rayquaza de Cynthia niveau X. Encore une niveau X. Et là, ça fait vraiment plaisir, parce que c'est Rayquaza. Et je voulais à tout prix avoir un Rayquaza. Et j'en ai eu un. Je crois qu'il y a une X aussi, ou je sais plus trop quoi. Waouh. Elle est très très jolie. Elle brille, elle est en blanc aussi, comme l'autre. Je vais regarder le numéro, c'est la 146, l'avant-dernière, voilà. On complète la fin de la série. Allez, on continue avec les Absol. Du coup, tous ceux qui voient un Absol, ça porte malheur, je sais pas quoi. Bah bien sûr, Absol nous a apporté un Rayquaza niveau X. Qu'est-ce que tu veux, bitch? Pokédex de con, tu dis pas la fausse, tu dis la fausse vérité. Alors cette fois, j'essaie pas de fail. Tout à l'heure, il y avait une carte en milieu. À moins que. J'ai pas regardé. Non, c'est une peu commune, puis elle tombe. J'allais dire, peut-être le niveau X s'ajoute à la rare, mais non, ça m'aurait étonné aussi. Pachirezu, Wistikram, Lingal, Balignan, Balignan, Nixie, Carmash, Flobio, Rattata de Team Galaxy, Misdibule en reverse. Très jolie carte. Je kiffe. Et Elector holographique. En mode dessin pour enfants. Ah ouais. Pourquoi pas? Elle est bien. Électro-holographique. Ouais, elle est bien. Si, elle est bien. Attendez, mais c'est pas une holographique. Oh putain, j'ai dit une grosse connerie. Attendez, je vais vérifier quand même un truc. Ok, non. C'est bon. C'est pas une holographique. J'ai failli dire une grosse connerie. Regardez le numéro de la carte. 150 sur 147. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est une carte secrète. LAL! Bonjour, bonjour. Protège-carte, protège-carte! Je prends un gros protège-carte. Pikachu, là, pouf! Oh, une carte secrète. Oh, une carte secrète. Voilà. Oh! Je dis ça. D'ailleurs, j'ai regardé l'absolu holographique qu'on a chopé tout à l'heure. C'était la première carte de l'extension. 1 sur 147 quoi. Allez, on continue, on est passé. Oh mince, je l'ai déchiré. Je l'ai déchiqueté, il fallait que je le garde. Au booster Rayquaza, on est passé. Allez. Un beau drive. Stylé. Tiplouf. Meowth. Nosferapti. Chuchmur. Elexprint de la Team Galaxy. Télétransporteur nocturne. Dracolos, d'accord. Donc, c'est la Battle Frontier. Frontier Battle. Comment ils y appellent en français? Advancement. Non? Battle Frontier, je crois que ça s'appelle en fait.
Je lis la merde. Écoute Zoro, mais qu'est-ce que tu fous? Mais what? Ok. Ah oui, il y a le. Ok, je sais pourquoi. Rayquaza holographique. Ah, il était peut-être pas en ex. Mais ça se trouve, il y en a un non, en ex aussi. Ça se trouve, il est en 3 fois. C'est possible. Donc, deux Cynthia en holographique. Oh, elle est magnifique. Je veux la voir en vrai. Oh! C'est trop beau. Et derrière, il y a un Arceus type plante. Donc, pourquoi il y a Arceus type plante? Vous allez me dire. En holo, hein, bien sûr. C'est parce que les Arceus se sont glissés dans cette série, en fait. Dans cette extension. Ils font pas vraiment partie, mais ils en font partie en même temps, quoi. Et il y a, je sais plus, une dizaine, j'en sais rien. Peut-être il y a tous les types. Donc, ouais, ça fait une dizaine d'Arceus. Ils sont niveau 100, hein, surtout. Et ils s'ajoutent à la rare. Je sais pas ce qu'ils enlèvent, une commune ou une peu commune. Voilà. Donc je le mets aussi de côté pour le cap. Donc c'était un booster ultra chanceux, une super bolo et merde, putain, j'ai encore déchiqueté. Et merde, un Arceus. Oui, je dis Arceus, après vous prononcez comme vous voulez, Arceus, tout ce que vous voulez. Voilà. Moi je dis Arceus. Étourmie. Corillon. Sableuth. Kenotaur. Rhinocorne, Seriflore, des cartes qu'on n'avait pas, Scarbrut, Raichu, ah elle est jolie cette carte, très stylée. Lucario de Cynthia, elle aussi elle est magnifique, waouh. Où je suis là maintenant toi? Ah mais c'était la rare? Attendez, on a sauté, c'était un reverse ça? Elle remplace la reverse le bordel? Mais je croyais que j'avais vu une. Ah ouais, peut-être que. En fait, ça remplace la reverse et se met derrière la rare. D'accord. Donc, non, ça on s'en fout. Donc, ça c'était la rare. C'est pour ça qu'elle était aussi jolie. Voilà. Je rapproche un peu parce que sinon on ne voyait pas. C'est bon, enfin, vous voyez flou. Et le Arceus normal. Voilà, je crois que je l'avais déjà le normal. J'avais dit qu'il était obscurité à cause du fond, mais non, non, c'est le normal. C'est pas grave. Allez, on continue avec les boosters et Rayquaza. Ah oui, il faut pas que je le déchiquette. Ça me paie, ça va le faire le fou. Allez, tu veux pas sortir. Ah! Bah, résister, hein. Allez, oui, je le mets à côté des cartes. Là, c'est complètement le bordel. Je me trouverai le bordel à la fin. Hein. Pourtant, j'ai ouvert que 16 boosters. On commence par un petit bulle bizarre. Starter préféré, parce que c'est mon premier starter. Alors attendez, je refais un peu la mise au point. Voilà. Bulle bizarre, Apitrini, Miaouss, Rhinocorne, Poissirène, Rhinophéros, Salle de Maître, Initiative des Léos, Spinda. Ah, Spinda, c'est une rare. Putain, c'est comme Camerupt, quoi, c'est du gâchis. Arceus plie. Psi. Arceus plie. Tu la plies en deux la carte. Non, Arceus Psi. Une magnifique carte avec beaucoup de rase. Vous voyez. Donc ça me fait trois Arceus dans la même ouverture. De suite, ça se trouve, on est obligé de tous les avoir dans un display. Je sais pas. J'ai des doutes quand même. J'ai mais un gros doute. Allez, c'est parti, le 1, 2, 3, 1, 2, et on va commencer tout de suite avec Bulbitroll. Apitrine, Apitroll, Miatroll, Rhinotroll, Poissitroll. Ah, Poissipi, c'était le même booster qu'avant là. Hein. Poissipi, Ramboum, Vortante, Articodin, c'est une rare. Donc. Si la rare tout de suite et qu'on n'a pas eu de reverse, c'est qu'il y a bien sûr un Arceus feu derrière. Magnifique carte avec Articuno aussi que j'aime beaucoup. Nos oiseaux légendaires préférés. Enfin bref. Et donc voilà, on a ouvert enfin tous les boosters. Oui, je fais le dernier en mode YOLO. Je n'ai rien à foutre. Je suis actuellement en train de trier les cartes pour vous les montrer dans un certain ordre. Il est très précis. On a eu quand même
Magnifique pioche, hein, je trouve. On a eu 4 Arceus. Donc le normal, le plante, le feu, le psy. Ensuite, on a eu un Absol-Holo. Magnifique, de la Team Galaxy. On a eu le Rayquaza-Holo de Cynthia. On a eu le Etoraptor niveau X. Ça, on n'a pas eu de X ou je sais pas quoi. Peut-être qu'il n'y a pas de X. Ça se trouve, c'est juste des niveaux X. J'en sais rien. Et le Rayquaza de Cynthia niveau X. Et attendez. La plus belle découverte. Le Elector. Oh, le grand Fuke. Non. Le Elector secret. Ouais, elle brille d'or. En même temps, j'aurais dû m'en douter. Mais comme les bords n'étaient pas dorés, je me suis pas douté que c'était une secrète. Vu que maintenant, les bords, ils sont dorés. Mais le nom ne tombe pas et l'étoile est dorée aussi. L'étoile, enfin, je vous ai montré tout à l'heure, mais voilà. J'ai pas forcément fait attention à l'étoile, mais l'étoile est légèrement dorée. Ah, on n'y voit pas. Si, on y voit. Regardez, elle brille. Donc, c'est que forcément, c'est une carte secrète. Voilà, on va s'arrêter là pour cette magnifique ouverture. Je vous ferai l'ouverture 2 dans je sais pas combien de temps, hein, comme d'habitude, vous avez l'habitude d'attendre. Et moi, avant de vous laisser, je vous montre le magnifique Bordulo infâme. Oui, regardez, pour ceux qui se demandent, je mets ma webcam sur une boîte en métal M&M's pour qu'elle tienne en hauteur comme ceci. Voilà. Donc voilà, le gros bordel. C'est n'importe quoi, John Peace. Qu'est-ce que tu fous? Bref, on s'arrête là pour cette magnifique ouverture. On se donne rendez-vous la prochaine fois. Ciao! Bye bye!